Et salut à tous, c'est Excel, on se retrouve pour une seconde VOD de Hyper Light Drifter sur les GVT. Je vous remonte parce qu'on est, dans le stream le plus chill de l'univers alors que le monde est en train de cramer à l'extérieur. Ça fait un peu ambiance de fin du monde là, tous les klaxons, les pétards, les machins, c'est un peu bizarre. Donc, j'avais une porte à ouvrir. Ah, j'avais pas vu ça. Salut Amiral. En plus, la musique, c'est vraiment la musique qui est ultra chill, c'est génial. Ça marche très très bien le mix des deux en fait. D'en trouver, c'est génial. J'imagine que c'est comme ça que je vais améliorer mes pouvoirs. Et roguelike, ben écoute, t'as Dead Cell, Enter the Gungeon, il y a une nouvelle extension qui arrive. Je suis assez curieux de l'essayer. Oh, deux d'un coup. J'ai l'impression qu'en fait ces zones là où il y a la porte avec les symboles qui forment un carré, à mon avis, ça sent les passages bonus optionnels. Ah. Je vais jamais réussir à revenir où j'étais assis. Faut que je fasse gaffe avec les sauts comme ça un peu au pif. Salut Frambois. Two Fazon XX c'était pas mal, ouais. Bon, roguelite honnêtement, c'est de la branlette. On parle dans mon bouquin sur Diablo, c'est globalement de la branlette. Hein. Ah, il faut fermer les fenêtres, Larry Mastra. C'est ce que j'ai fait, moi j'ai le ventilo et les fenêtres fermées, comme ça j'entends que les pétards, j'entends pas les klaxons. Ah, il y a le boss là-haut. Ah bah non, en fait, c'était pas du tout une zone optionnelle. Bon bah, go le boss alors. Hein? Je peux pas y aller. Ah, parce que j'en ai que 3, j'ai pas les 4 là. Il m'en manque un. Sur le principe, les roguelike, c'est les jeux censés être proches de rogue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... La mort est vraiment définitive, et tu gardes rien d'une partie à l'autre. Les roguelite, c'est les jeux à la FTL ou les Isaac, où tu débloques des choses que tu conserves d'une partie à l'autre. Voilà, si on veut être un peu... à peu près à cheval sur cette histoire de définition, c'est comme ça qu'ils le disent. Dans les faits... Les mecs se sont tellement pris la tête avec les histoires de...
la définition de Berlin et tout ça, c'était super chaud. Alors moi je crois que c'était ici que j'avais trouvé une porte qui était fermée à clé. Je vais aller vérifier ça. De toute façon, définir un genre sur jeu vidéo, dans le jeu vidéo, c'est tellement impossible. Dès que t'essayes de définir un truc, il y a tout qui change. Tu sais pas à quel sens douer, tu vois. Tu sais pas sur quoi il faut se baser. Est-ce que c'est les mécaniques de gameplay, mais dans ce cas-là, bah, quand il y en a pas, ou qu'elles sont vraiment différentes d'une version à l'autre, mais que c'est le même style de jeu, ben, je sais pas quoi faire. Vous vous souvenez où elle était, la porte, là? Parce que moi, je m'en souviens plus. C'était pas par là. En fait, contrairement à ce que je pensais. Alors, GG pour la fidélité, Emerald. Ah bah non, là, il y avait rien. Mince, ça, je l'ai déjà fait. Bon, c'est pas grave. Il y a un... Ouais, voilà, je me souvenais qu'il y avait l'ascenseur. Juste au-dessus. Ah, alors comment te dire, juste au-dessus ça veut pas dire grand-chose. Les indications style gauche, droite, etc. Comme il y a un léger délai dans ce qu'on peut se dire, c'est toujours un peu compliqué. Ah non, tout se ressemble. Un peu. Ok, donc j'étais... Ah, il m'en reste un qui est ici, on est bien d'accord. Donc en fait, je pense que j'étais sur le bon chemin, c'est juste que je sais pas, j'ai peut-être pas pris le... Là, il y a une porte. Je sais pas où elle m'amène. On va aller voir. Ah, je crois que je l'avais pas prise. Ça me dit rien du tout. Pardon. Non mais je pense que on a trop voulu pendant trop d'années définir les jeux par des mécaniques de gameplay alors qu'en fait pour moi ça marche pas, tu vois. Pendant longtemps on parlait de jeux d'action, on parlait de jeux d'aventure, on parlait de jeux de tir. Un jeu de tir c'est quoi aujourd'hui? Tir. Donc après tu crées des centaines de sous-catégories, ça devient un bordel sans nom pour s'y retrouver et tout. Paumé. Je sais pas si ça se voit. Ah oui, bah oui, non mais là du coup je peux pas y aller ici. En soi, c'est toujours ça de prix. Oh là là! Je peux pas y aller là. Il faut que je. Faudra que je revienne quand j'aurai le. L'autre dash alors. Oh putain. Ah oui, d'accord.
Mais il y a le... Attends, comment je fais pour venir ici? Il y a le truc qui est juste là, là. Ouais, mais en même temps, Varys Matra, tu vois, ça, toutes les appellations de genre, de toute façon, ça parlera qu'aux gens qui connaissent. Et c'est un peu dommage, tu vois. Faudrait qu'on arrive à arriver au même niveau un peu d'universalité que pour un cinéma, tu vois. Toi, tu parlais dans... T'arrives quand même à parler d'une comédie, d'un film d'action, tu vois, des trucs, c'est très général, hein, on est bien d'accord, mais... T'arrives quand même à donner des termes, tu vois, la science-fiction, tu sais de quoi ça va parler à peu près. Non, elle est mal foutue leur carte, parce que du coup je sais pas du tout où j'étais il y a 2 secondes. Ça je l'ai déjà fait. Mais je suis jamais venu là. Mais les gens chiens, ils se sont fait attaquer par les gens grenouilles. Ils se sont fait attraper dans un filet. Ils ont été mis en esclavage, ok. Sympa. Oui, non, mais c'est pour ça, il y a aussi une question d'ancienneté, on est bien d'accord. Comment je fais pour me téléporter? Hop. Qu'est-ce que je peux améliorer pour l'épée? D'accord, donc si je maintiens appuyé... Ah, je peux renvoyer des boulettes. Je peux faire un dash. Mais attends, je crois que vous m'aviez parlé d'un dash infini et je vais aller le chercher. Ouais, c'est ça. Boum. Ah, je m'en souviens. Comment il faut faire de défi là déjà? Ah oui. Oh là 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 là, ça va être compliqué ça. Aller plus loin. Ah si, voilà. 9.
Ah merde, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Ça doit être le... Soit j'ai pas le timing. On peut pas jouer au clavier? Ce serait pas plus simple au clavier? Clavier souris. Bon, espace. Ah, je me souviens, j'avais trouvé une technique. Attendez. Ouais, c'est ça. C'est avec le... En fait, avec le clavier, c'est plus simple. Ah, merde. Je vais essayer de faire peut-être 50 ou 100. Je me souviens qu'il y avait un truc comme ça. Il faut faire 200 maintenant. Oh non. Les mecs. Ils se foutent de nous un peu. Attends, je vais essayer avec l'autre main. Peut-être qu'avec la main gauche, j'y arriverai mieux. C'est passionnant. C'est 1000? Vous rigolez? Mais je vais jamais tenir jusqu'à 1000. Faut mettre une macro en fait, je pense, en place. Ah non! Ok, allez, hop, c'est fini. Plus jamais je fais ça. À 200, je vous aurais dit, ok, allez. Non, mais c'est trop relou, vous imaginez, il faut que j'appuie 1000 fois sur ma barre d'espace, quoi. Bon, si on a du temps tout à l'heure, on réessaye pour le fun. Parce que c'est le fun. Ouais, je veux bien savoir à quoi ça sert d'avoir les 1000. Bon, par contre, c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir me déplacer super vite maintenant. Aïe. J'ai même pas pris la récompense des 100. Ah bon? Ah mince, il y avait une récompense, mais j'ai pas vu de coffre. Thank you.
Où tu vois une récompense, toi? Ah ouais, il y a un cadeau là-haut. Ah bah super. Ah oui, effectivement, il y a un autre cadeau là. Ça sert à quoi le... La jauge monte moins que si tu tournais autour de la salle, tu crois? Non, hein, j'ai pas l'impression, ça a l'air d'être pareil. Hein. Bah, allez, je réessaye une fois. Vous êtes sympa pour rigoler. Je pense que ça change rien. Hein. Si tu pouvais juste bourriner à la rigueur. Parce que même en plus avec une macro, c'est chiant parce qu'il faudrait quand même que tu fasses les 3, 4... Les premiers moins rapides. Et après tu lances ta macro, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert les 1000? Vous pouvez chercher sur Wiki pendant que je fais ça. C'est la passionnance. Ah ouais. Non mais si c'est pour faire une macro, ça a aucun intérêt. Ok, bref, allez. Alors, hop, je vais me re-téléporter là-bas. Et on est reparti. Vous m'avez toujours pas dit ce que ça rapporte hein, de faire les 1000. Parce que si c'est vraiment intéressant, je veux bien essayer, vous voyez. Ouais. Ça l'improuve de quelle manière mon bon Vinoc. Je sais vraiment plus où j'avais vu cette porte là fermée à clé. Par contre, pour le speedrun, c'est génial. Hein. Bon, par contre, clairement, faut que j'aille là. Et je vais trouver le chemin. Ah, en plus, il y avait le chemin, là, tout à l'heure, que je pouvais pas faire. On va y arriver, ce coup-ci.
Ah, d'accord. Ouais, bon, 800, c'est long quand même, hein. Bah, ça se tentait, franchement ça se tentait. Ouais, y a un truc que j'ai raté, hein. Ah oui, j'avais complètement raté ça moi. Ben voilà. C'est ça qui me manquait en fait. Ah, la manette s'est dit impossible, ok. Les gens utilisent une macro pour le faire, hein. Du coup ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, pourquoi je suis tombé dans l'eau? Oh, regardez. Oh, une autre clé. Ah, je peux remplir le rectangle de clé apparemment. Elle est bizarre cette warframe. La mort la plus naze. Ah, c'est pas possible. Tué par la gravité. En parlant de warframe, j'ai enfin fini de construire Gara et elle est ultra pétée. Voilà, c'est ce que je dirais. J'essaierai de vous montrer ça quand je reviendrai. Genre lui il tombe pas dans l'eau quoi. Ah putain. Ah mais j'ai pas regardé si je pouvais augmenter ma vie. Super, bon bah voilà. Ah, attends, parce que j'ai pas fini de visiter ici. D'accord, je tombe là. Là aussi. Il y a le truc qui est juste là.
C'est vraiment bizarre. Parce que c'est pas le même que tout à l'heure, donc il y en a plus que 4 en fait par zone. En bas de l'escalier, une caisse à péter, non? Bon, je peux retourner par là, on va réessayer, voir, mais... Je m'en remets à vous pour me recommander un jeu de type RPG monde ouvert 2D pixel art où il y a du loot, du craft. Bah ouais, tu peux te refaire Terraria. Gameplay profond, t'aurais effectivement Golden Sanctuary. Bah non, en fait, y a rien. Hein. Non, il y en a en 3D aussi, Tartignol, mais c'est juste que c'est plus des jeux Jap et du coup, c'est pas forcément leur. Ils sont pas trop sur ce credo là en ce moment, les Japonais. Hein. L'école du gameplay, c'est ça. Hein. Pas pour balancer ou je sais pas quoi, mais... Ah bon, tu regardes God of War, tu prends n'importe quel beat'em all japonais, ça lui met la misère. Je vais mourir. Voilà. Ah bah oui, en plus, là, si je meurs alors qu'il y a une cinématique... Ça bug un peu là leur système. Non mais... C'est pas super bien foutu ça. C'est loin d'être... C'est quand même assez perfectible hein, la courbe de difficulté là. Bon, sans compter le bug ou la salle... balancer mais ça pue. Hein. Si le boss c'est ça là, dans la méga merde. Ah, il a été dépecé vivant lui. Ah putain. Genre là, on peut pas aller sur les nénuphars. Okay. Nice. Trouver un autre pylône. Tête cadavre. Ah parce qu'en plus ça suit pas. Genre tu peux tomber à cause du dash. Ah ouais non. Je peux récupérer de la vie avant le... Non, je pense pas que je relance Monster Hunter World sur PC. Honnêtement, là, ça sort en août, certes. Mais il y a d'autres jeux, il y a Death Gambit, il y a Dead Cell, il y a Divinity, il y a No Man's Sky, il y a plein de trucs qui sortent là. Et du coup j'ai pas envie de repasser 100 heures à faire la même chose que j'ai déjà montré en vidéo. J'aime bien, hein, c'est pas le problème, mais ça sort au mauvais moment. Je suis trop dans Warframe aussi maintenant. Je préfère avancer Warframe dans lequel je m'amuse vraiment beaucoup, parce que le gameplay de base me plaît énormément. Que le gameplay de Monster Hunter World, il est sympa touche, mais bon.
Disons qu'il arrivait à la bonne période, quoi. J'avais rien d'autre à faire et c'était parfait. Bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Non, il n'y a pas de date pour l'enhance de... Merci, madame. Bon, first try, je suis plutôt content. Mais du coup, ouais, c'est ça, j'avais pris au nord la dernière fois, parce que moi, je me souvenais d'un boss oiseau. Ça avait l'air bien. Moi, j'ai rien regardé de... de Dev Gambit pour l'instant. Mais je suis confiant. Ah ouais. Mais est-ce que ça va marcher? Parce que j'ai pas tout activé encore. J'en ai activé que 3. Ah, c'est pas la même chose. Ça a l'air d'être deux choses différentes, les... changer d'arme. Oh, oh, j'ai un fusil à pompe maintenant. C'est bon ça. Il y a un baza. Jeu de l'année. Oublie tout de suite. Ah, donc il y a bien plus de 4 trucs. J'en ai vu 2 autres. Oh, dans les coins. On peut aussi les activer. Je suis sûr que c'est ça en fait. Ok. Tout va bien. Bon, je vais pas le finir ce soir, on est bien d'accord, mais j'ai déjà fait un truc sur 4. Je pense que si j'essaye de faire tout à fond, par contre, choper tous les éléments, là, ça va être assez long. Ah, la mise en... Ah, comme ça, je peux descendre. Ce qui m'embête, c'est que je me souviens vraiment plus de où était la porte avec la... Que vaut l'histoire de ce jeu? Bah elle vaut ce que toi tu t'en imagines. Oh mais non, mais attends, à peine t'arrives, tu te prends un combat. Non, non, tu saignes dans le jeu, ouais. Merci. Hop, j'ai du thé qui apparaît. Non, mais il n'y a pas spécialement d'histoire, en fait, Majeta. Si t'es arrivé juste au moment où il y avait la cinématique, t'as vu toute la narration du jeu, hein, c'est juste ça.
Non mais oh, oh, oh les gars là. Bon, en même temps, c'est peut-être pas par là qu'il faut que j'aille. Oh non, j'espère que le combat va pas recommencer de zéro, j'ai pas fait exprès de marcher à l'endroit où ça... Ah, il me faut pas... Faut que je tape plusieurs fois pour avoir une balle. Oh mais non. Ça, c'est la malédiction des Souls. Quand t'es habitué à, un équilibrage, tu vois, assez... assez propre de la difficulté, tu vois, t'as pas des augmentations comme ça complètement arbitraires. C'est ultra frustrant de jouer à des jeux comme ça. Parce que tu piges plus, en fait. Surtout qu'a priori, ça sert à rien que je sois là, parce que... Ah, si, bah si, ça sert. Exprès pour se faire bannir sur le chat. J'espère que tu es satisfait. Ouais, en fait, là, techniquement, ce que je peux faire, c'est aller chercher d'autres carrés. Points de vie en 2 secondes. Oh, vous avez vu ça? Non, non, mais j'avais compris ça, Mamudine. C'est pas ça. Vous savez, alors je sais, c'est tentant hein, d'expliquer ces trucs-là, mais je comprends comment je fonctionne. Hein. J'ai quand même un peu d'heure de vol sur des jeux assez complexes. Non, non, mais c'est que t'as des moments où t'as où en fait la courbe, d'un coup, tu vas te retrouver avec un passage qui est assez complexe. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, les gens me sortent des excuses comme quoi c'est moi qui sais pas jouer, etc. Donc, voilà. Excusez-moi. Je sais que c'est assez difficile de discuter sur le net des fois. Bon, si je reste au milieu, a priori, ça va bien se passer. Ah bah c'est bien ça, il y en a plus que 4 en fait. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Bon bah c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'exploration à faire en fait. Parce que là franchement celui-là fallait le trouver. Hein.
Ouais. Ah, c'est une plateforme. Putain, désolé, j'ai cru que je marchais sur un plan incliné. Je sais pas, c'était super bizarre. Y a pas de régène en fait, il faut que je me soigne. Mais celui-là, je viens de le trouver, non? Je comprends pas comment il fonctionne le. Ou alors ça, est-ce que ceux qui sont en gris, ceux-là, là, les carrés, c'est ceux que j'ai déjà trouvés ou pas? Bah le soin, il faut les trouver, tout simplement. Là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça pourrait correspondre à ça. Ok. Ouais. Ouais, donc après les autres, il faut que je les cherche à la main, quoi. Ah, je les non, cela dit. C'est pareil, tout à l'heure, il y avait un truc où il fallait que je suive des machins en flammes. Et je le vois plus, je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était. Parce qu'en fait, il te dit pas où t'es sur la carte, il te dit dans quelle région t'es. Tu vois, il y a des sortes de secteurs, j'imagine, ils ont découpé ça en secteurs. Voilà, et ils te disent t'es dans ce secteur-là. Mais évidemment, le chemin autour de moi, il ressemble pas à ça en fait. Je viens de te voir, toi. Encore une clé. Xenima. Alors, je crois que je l'ai. Je crois que j'ai regardé pendant quelques secondes ce que c'était. Et on me l'avait conseillé. Mais en fait, c'est pas du tout pour moi. Et c'est une simulation. Et c'est pas du tout un style de jeu que j'apprécie. Ça, je crois que j'ai déjà fait. Ah, j'y suis déjà allé, mais je peux aller retourner chercher le. Ah, remarque, comme je suis mort, peut-être que. Il a considéré que j'avais pas trouvé cet objet, je sais pas. Ou peut-être que les machins de soins réapparaissent aussi, ça c'est possible. J'ai laissé avec plein de questions dans ce jeu, c'est rigolo. Ça, j'ai déjà fait. Pourquoi il a pas tapé là? J'ai pas compris. Je vais pas taper dans la bonne direction, mon ami. Ah mais attends, les combats se réinitialisent. Pardon. Ah merde. Oh là là. Merci. C'est le ventilo.
un mur qui apparaît alors qu'il n'y a plus d'ennemis. Ah, c'est que je suis pas censé venir dans ce sens-là. C'est mal foutu, ça. Ah non, faut que je passe par à côté. Oh là là. Désolé. Ah oui, pff, le prochainement Bilo, tu parles. Ça fait des années qu'on l'attend. Ça fait tellement longtemps qu'il a été annoncé, celui-là. Ah, faut vraiment... Là, c'est ma faute, je suis resté immobile. Bah, j'étais pas revenu en ville, en fait, Mamoudine. Là, j'ai juste tué le boss. Alors, peut-être que quand tu tues le boss, les combats se réinitialisent. Possible, hein. Ça me choquerait pas. Parce qu'il considère que t'as terminé la zone et que tu devrais être... T'aurais dû retourner en ville plutôt que de rester. Ah, putain. Ah, et en plus, faut recharger entre les balles de shotgun. Ah, oh, c'est chiant. C'est assez rigolo, hein, cette façon de gérer la difficulté. En fait, c'est comme les dashs, en fait. Tu vois, c'est plus une question de rythme qu'une question de combat. Tu vois, ça va être comment tu vas timer tes... ça fait un peu... En fait, ça me fait penser au système de combat de Crypt of the Necrodancer. Bizarre dit comme ça, mais c'est à quoi ça me fait penser. Moi, c'est Exerve, Elosius. Salut à toi. Bon, j'ai déjà fait le tour ici, hein, on est d'accord. Merci Vinoc. Je crois que j'ai déjà fait aussi. Ah mais non, mais ça je l'avais... Oui, d'accord. Ah. Effectivement, déjà fait ça. Bon, donc les combats se réinitialisent, mais les potions aussi. Donc mine de rien... Non, ouais.
J'arrive pas à retrouver le coin où j'étais. Un streamer qui débute. Ça va, vous moquez pas. S'il connaît pas, il connaît pas, c'est pas grave. Pas me fâcher, hein. Ah mais non, mais ça, j'y étais tout à l'heure, d'accord. Bon, je pense qu'en fait, là, plus je vais insister à traîner ici, plus en fait, ça va servir à rien. Il vaut mieux que j'aille dans une autre direction. Ah, j'avais pas vu le truc à droite. C'est terrible, c'est terrible. Maintenant, j'ai envie d'y aller. Retourner en ville, en plus c'est l'heure de la pause. Ah bah oui, donc c'est bien là qu'il faut que j'aille. Ah. Pff, ouais d'accord. Ouais bon, ça honnêtement si tu le sais pas, pas le deviner. Un ancien youtubeur SMR. Qu'est-ce que vous avez avec ça? Salut Druid, ça va super. Quoi? Pourquoi ça marche pas? Ah, il me faut peut-être une autre arme. En fait, je suis juste frustré parce que je voulais retrouver cette porte. Il y avait besoin d'une clé. Ça m'énerve de pas la trouver. C'est peut-être tout début, hein. Je vais revenir sur mon... Ah, il me fait deux dégâts, mince. Non, pas la flotte. Ah, voilà. Je l'ai pas récupéré, Equinox. C'est long à récupérer. En NG+, t'as que 2 points de vie. Ah ouais. Bon, ça, le coup de voir les petits carrés au sol pour voir quand il y a des passages secrets, j'ai bien pigé. Ok, des lance-flammes. On est bien. Bon, on va juste finir ce passage et du coup, pause, on a dit. Ah, mince, l'explosion. Ah,
tu fais un don ici, tu vas faire un don à la JVTV, en fait tu feras pas un don à moi, Tartignol. Mais c'est gentil de proposer. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais juste aller récupérer mon... On va faire la pause juste ici pour la VOD. Et on se retrouve dans 4-5 minutes. Le temps de finir la tasse de thé, de se faire une page de pub. Et on reprend juste après. Donc on est ensemble encore pendant une petite heure. A toutes.